Cornelius. Yes. シュウ。On a été un peu influencé par la musique heavy metal japonaise des années 80, et surtout loudness pour ce qui me concerne. X-Japan. Et bon, mais il y en a en fait plusieurs qui ont influencé notre musique. Je dirais que ça sont les principaux. En fait, c'est différent parce que là, par contre, quand on fait les chansons pour les animés, là, c'est qu'ils nous demandent de le faire. Donc, c'est pas quelque chose qui part de notre côté. Et la chose la plus importante est que la chanson soit en ligne avec le thème de l'animé. On a remarqué, par contre, que plusieurs fois, il y a beaucoup de chansons qui ne respectent pas l'esprit de l'animé ou de l'histoire originelle. Et là, par contre, nous, on a essayé, lorsqu'on a eu la possibilité de faire ce genre de chansons, de respecter le plus possible l'ambiance, le monde de l'animé. Et là, il y a de la recherche derrière. On lit le manga, on se renseigne. Donc, on cherche vraiment de ne pas casser le monde que l'auteur a créé. Et donc, je dirais que le procès est beaucoup différent de celui des chansons qu'on produit généralement. En fait, là, il faut vraiment remercier notre staff qui ont fait que ce tour soit possible. On a toujours rêvé de jouer en Europe, mais c'est grâce à notre staff qu'on a eu la possibilité de réaliser ce rêve. Le but, c'est de venir jouer en Europe au moins une fois par an. C'est justement en septembre qui va sortir le nouvel album, Télus. Je dirais que c'est vraiment un album avec
de la nouvelle recherche. Et là, c'est moi et Yuki qui a créé les chansons. Parmi les chansons de Yuki, par exemple, il y en a deux qui ont du sound disco, qui n'étaient pas présents dans la musique des gagnants russes. Par contre, pour ce qui me concerne, j'ai produit une musique, c'est que de l'instrumentation. C'est la chanson qui donne le titre à l'album. Et c'est une chanson de 8 minutes qui a beaucoup d'influence de la musique irlandaise. Donc, quelque chose qui n'était pas présent dans la musique de gagnants russes. Et par contre, moi aussi, j'ai reçu assez l'influence du club sound dans ce nouvel album. Et j'écris une chanson avec ce rythme très cool, donc on peut presque danser. Et autre chose, il y a la deuxième chanson de l'album, Endless Story. On a décidé d'en faire une chanson vraiment des faits en japonais. Et donc, en général, je dirais que le nouvel album, c'est un album plus catchy, donc plus facile à écouter, même pour ceux qui n'aiment pas le métal. Et pour ce qui concerne le lancement en Europe, on n'a pas un programme de faire un album pour l'Europe, mais on voudrait bien. Donc vous pouvez nous aider avec ça, ça serait très bien. La scène musicale du métal au Japon, c'est pas vraiment grande, c'est pas très grande. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de groupes. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de francs. Donc là, même s'il y a beaucoup de gens qui jouent, il n'y en a pas beaucoup qui vont voir les concerts. Par contre, le métal en général, c'est un genre faible si l'on compare en comparaison avec les autres genres musicaux japonais. Le nouvel album, par exemple, qu'on va lancer en septembre, c'est juste pour satisfaire les goûts de ces gens qui généralement écoutent le J-pop plutôt que des trucs plus easy listening. En fait, c'est la première fois qu'on joue en Europe avec Gagnérus et je ne peux pas dire exactement s'il y a des différences très fortes entre les Japonais et les Européens. Ce qui est sûr et certain est qu'en Europe, il y a beaucoup plus de fans du genre métal, donc ils sont plus réactifs peut-être envers le genre. Et là, pour nous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer face au public qui connaît le genre déjà. Et on voudrait bien nous aussi nous amuser en faisant ça. Thank you.
En fait, ouais, en 2013, il y a ce cover album, volume 1 et volume 2. Et là, le premier, par contre, c'est juste des reprises de chansons, c'est plutôt normal, une forme normale. On voulait juste reprendre des chansons avec la nouvelle formation, parce que Sho et Taka, ils nous ont rejoints en 2010. Et là, c'était l'idée de faire des anciennes chansons avec la formation actuelle. Par contre, le second volume, ça a été beaucoup plus difficile, parce que là, c'était vraiment l'intention de reprendre des chansons qu'on aimait bien, mais là, de faire quelque chose, de les réarranger totalement, donc avec des nouveaux titres, avec une nouvelle mélodie, avec des nouvelles paroles. Et donc ça a été vraiment un défi. Mais là, on voulait le faire parce qu'on trouve que la formation actuelle est la formation qu'on voulait du début. Et il y avait des choses dans des chansons qu'on aimait beaucoup qu'on n'avait pas eu la possibilité de faire. Et donc on a pensé, bon, avec cette nouvelle formation, on va pouvoir faire les choses qu'on n'a pas pu faire dans ces chansons-là. Et donc, en fait, quand on a commencé l'enregistrement des chansons, ça a été vraiment difficile, ça a été vraiment un défi. Mais on était déterminés à le faire, et on a décidé de le faire avec orgueil, et on voulait être vraiment satisfait du résultat. Et là, en fait, moi, je crois que le résultat, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire, un album comme ça. Donc, on est vraiment très satisfait du résultat. Il y a aussi cette activité de donner des classes, des cours de guitare. Et là, c'est plutôt aussi pour promouvoir ma présence en tant que guitariste de Galerie Russe. Et là, avec l'école EMI Japan, on a fait ce genre de séminaires de cours dans tout le Japon, où j'allais et j'enseignais aux étudiants à jouer de la guitare. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc j'aimerais beaucoup avoir la chance de faire la même chose en Europe. Cette fois, c'est moi qui a une question à vous poser, parce qu'au Japon, je fais aussi des démonstrations avec mes guitares dans les magasins d'instruments, et je voulais savoir si en Europe, vous faites la même chose. Il y a ce genre d'appel. Donc, appelez-moi, je vais le faire en Europe aussi. En fait, Betelgeuse, c'est un peu ça. Il y a un peu, surtout la chanson de 8 minutes, donc il y a un peu de cette inspiration classique dans ce genre d'éléments. Et par contre, ce que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est de composer des chansons longues, mais ce que j'aimerais faire, c'est la composition de plusieurs chansons pour en faire une encore plus longue que Angel of Salvation. Donc là, c'est un peu l'idée qu'on a dans le futur assez proche. Chacun d'entre nous a-t-il commencé à jouer de son instrument? Et qu'est-ce qui les
Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais à l'école, j'ai connu un nouvel ami. Et le frère de cet ami, il m'a invité à la maison. Et à la maison, j'ai écouté du métal. Et il y avait aussi une batterie. J'ai vu ça, je suis tombée amoureuse. Et bon, c'était amour avec le métal du premier moment. Pour vous expliquer que Taka n'était pas bon à parler face au public, donc c'est moi qui vais faire la traduction pour lui. 14 ans, quand j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 14 ans. J'étais pas bon, et donc j'ai commencé avec le basse. That's all. Ah non, c'est tout. Bon, le chant, vous savez, c'est quelque chose, on peut le faire c'est plus facile à faire. Donc moi aussi, j'ai commencé comme tout le monde à chanter parce que j'aimais chanter. Et quand j'avais 13 ans, quelqu'un m'a dit, bon, t'es bon à chanter. Et donc là, j'ai continué, j'ai formé de petits groupes, j'ai chanté dans des petites formations jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'était juste là que j'ai compris que je voulais être faire de ça ma profession. Moi, très petit, quand j'ai commencé avec le violon, j'ai étudié la musique classique, mais pendant que je faisais ça ne me plaisait pas. Je ne le trouvais pas intéressant du tout. Par contre, à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré la guitare et suis tombée amoureuse avec la guitare, avec la musique de la guitare pour lui. Et j'ai fait ça depuis que j'ai 13 ans. Donc, je n'ai jamais arrêté de faire de la guitare. Moi aussi, j'ai commencé à 13 ans. Je voulais devenir un guitariste, mais dès que j'ai commencé la guitare, j'ai aperçu que je n'avais pas de la technique du tout. C'est un peu comme Naka. Et à la maison, j'avais ce piano. Et moi, je n'avais pas étudié le piano. Et donc, j'ai essayé moi-même, parfois, à chercher les sons pour produire quelque chose. Et ça m'a passionné beaucoup. Et donc, c'est depuis ce temps-là que je fais du piano, de la keyboard. Par exemple, Shaw, il fait du DJ pop. Et donc là, c'est l'impression que tout le monde travaille beaucoup pour Galerius. Je le remercie beaucoup pour l'effort qu'ils mettent dans ce groupe-là. Mais par contre, c'est justement que je suis trop bonne avec Galerius. Et maintenant, ça marche très bien pour Galerius. Donc je fais presque ça. Mais si j'aurais un peu plus de temps dans le futur, je me reviens faire quelque chose avec ça. Bon, tout d'abord, c'est pas selon moi, mais je crois tous ici, on est vraiment ravis parce qu'on a vu que les Français aiment beaucoup la culture japonaise, pas seulement la musique, mais il y a beaucoup d'intérêt envers les animés et la culture japonaise en général. Et donc ça, c'est vraiment super cool parce que c'est vraiment, on se sent vraiment accueillis par la France. Et pour les femmes qui écoutent Galerius, ce serait bon
de faire ce que je vous ai dit avant. On aimerait bien avoir la possibilité de revenir en Europe au moins une fois par an pour satisfaire les souhaits de ce qui nous suivent, et aussi pour donner à un enfant la possibilité de passer, de faire le passe-parole avec ses amis, et donc leur dire bon, Gagnolus c'est cool, il faut l'écouter, et c'est pour ça que je vous remercie de nous accueillir. Merci. Donc c'était Gagnolus pour la première fois en Europe, et donc en exclusivité. Merci.